espace, frontière de l'infini, qui est tout rikiki en fait quand on compare à la diversité et la densité du net. Hein. Non ? Si ? Ça vous le fait pas ? Ah, moi j'ai totalement cette impression. Hein. Pas plus tard que hier, j'étais sur un serveur coréen et je m'égare totalement en fait. On va retourner dans un jeu. Oui, je dis retourner, et pourtant c'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté. Mais de quoi je parle donc? Je me mélange les pinceaux dès le démarrage? Non, je vous parle de BioShock. Non, pas de BioShock, de System Shock. On va donc remettre les pieds dans System Shock, ce vieux jeu de 1994. Qui avait apporté pas mal de choses révolutionnaires, parce que c'était un jeu en 3D. Et en 94, il n'y en avait pas tant que ça, des jeux en 3D. C'était aussi un shooter. Mais vu que la place était prise par un titre fraîchement installé qui s'appelait Doom, System Shock est arrivé et il a dû amener quelques nouveautés pour pas s'égarer sur les mêmes plates-bandes. Et c'est là que le jeu est devenu vraiment intéressant, puisque dans System Shock, vous ne faites pas que shooter, non, le shoot y est beaucoup plus subtil, et puis surtout vous explorez, vous résolvez des petits problèmes que vous allez rencontrer à bord de votre vaisseau. Le remake vient juste d'arriver. Enfin oui, et on a la démo sous la main. Donc on va jeter un petit œil dedans. Oui, ambiance spatiale, toujours dans The Big Game of Ski, monsieur K adore l'espace. Et du coup, bah, on va retourner dans cette bonne vieille station orbitale qui est partie en sucette suite à différents événements. Oui, vous êtes un petit peu le Snake Plissken du futur, mélangé à notre collègue Chaos, puisque vous allez intervenir dans cette station orbitale pour démonter un complot, et en échange de quoi, bah, on vous remettra votre vilain dossier criminel à zéro. C'est dur la vie de hacker. Surtout quand on n'a pas de hamburger. Alors ça fait très très drôle hein, d'avoir des graphismes comme ça, j'ai pas encore vu une image du jeu qui a été intégralement refait, et du coup bah, j'ai le souvenir de ce qu'on avait à l'époque en affichage, et pour l'instant ça n'en est pas si éloigné, donc j'ai un peu peur. Oh, par contre c'est pas pareil, oui. Alors pour vous resituer l'action, en 1994, on avait un moteur 3D qui était vachement bien foutu pour l'époque, mais qui avait ses limitations. Déjà, si vous arriviez à le faire tourner en 800-600, c'est que vous aviez une babasse de ouf, et si vous activiez tout, votre babasse de ouf, elle commençait à fumer. Ce moteur-là, il n'était pas issu de nulle part, hein. C'était le moteur qu'il avait utilisé pour la série des Ultima Underworld précédemment. Et on y avait pris beaucoup beaucoup de bonheur, hein. Je sais pas si vous avez parcouru ces jeux-là, mais les Ultima Underworld, c'était quand même assez fantastique comme FPS RPG à fréquenter. Allez-vous, j'espère que le clavier est bien mappé. Non. Petit tour dans les options. Hop, hop, c'est bon. Ça aurait été un petit peu difficile le setup, donc je vous rappelle, il faut aller dans vos options et vite basculer le clavier. En anglais, parce que vous ne pourrez pas remater les touches pour vous déplacer, ça va être un petit peu ennuyeux puisque c'est la base du jeu. Je me rappelle plus du tout, mais alors vraiment plus du tout, tout ce qu'on peut faire, heureusement ça va m'être expliqué. Bouton droit pour les actions, contextuel. Ah oui, ça n'a plus rien à voir comme jeu. Alors ce que je vais faire, je vais vous faire un petit montage et je vais vous charger la partie du jeu original, essayer de faire coller des endroits similaires. Pour faire la comparaison qui va être plus que flagrante. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air super bien et je vais le prendre. Et ça non plus, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bon. Biological
strike against Earth. There's a man named Nathan Darcy who may know something about taking the laser offline. His office is near the central hub on your level. The AI is on the bridge. Once the laser is out, look for the source of the problem there. And by the way, we know all about you and your friend Diego. Pull this off, and we'll clear your record. That implant you're wearing is military-grade hardware. Use it well. Lancing out. Alors c'est vraiment très rigolo puisque c'était les samples de l'époque. Alors aujourd'hui c'est tout à fait standard d'avoir les coms avec l'audio. Remis dans le contexte, je vous rappelle que les machines étaient fraîchement équipées de lecteurs de CD-ROM, donc c'était assez récent hein, comme technologie et on était tout joyeux d'avoir un jeu qui nous parle. Hop là, je récupère tout ce que je trouve. Hein. Je suis un coquin. Et j'ai ce beau tuyau. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Non? Voilà, vraiment? Bon. Hop, je m'installe des puces. Et voilà, comme ça, j'y vois beaucoup mieux. J'ai mes infos de santé. J'ai la map qui apparaît enfin à gauche. Oui, l'héritage ultime. On y revient. J'ai les cartes d'accès. Alors ça, c'est ce qu'il faudra collectionner dans le jeu, puisque vous aurez plein d'endroits qui ne vous sont pas accessibles au démarrage. Et vous devrez trouver des moyens d'y accéder. Les cartes d'accès en sont un. Il y a un autre moyen aussi qui est possible, c'est d'utiliser les terminaux de la station qui vont vous permettre de basculer dans le cyberespace. Qu'est-ce que le cyberespace? Je vais essayer de vous le faire voir s'il est dans cette démo. Je vais... C'est d'où je viens ça? Oui. Il n'y a pas de cadeau, rien. Ah, un medpatch, ça se prend toujours. Hein. On farfouille, on collectionne un petit peu tout ce qu'il y a. Hop là. Alors ça c'est la machine pour se réparer, j'imagine. Ou s'augmenter, allez savoir. Et voilà, frais comme un gardon, comme dit la vieille expression. Alors c'est vrai que c'est pas comparable hein, graphiquement. J'espère que j'aurai trouvé de quoi faire un montage et vous mettre les différentes images similaires de l'ancienne version. Parce que c'est vraiment marrant. Ami ou ennemi? Ennemi toi. Ouais, t'es ennemi. Hop là, deux coups sur la ganache et c'est réglé. Petit bonus à looter, rien. Vraiment, sans façon. Oh, désolé, ça m'a fait plaisir. Alors, j'ai fait popper mon inventaire. Ok, j'ai quoi ça? Bed surf bot. Take all. On peut looter. Donc, j'ai bien pris tout ce qu'il y avait. Ok, au poêle, génial. Donc, ça, c'est mes puces. Et je vais pouvoir m'augmenter au fil de l'aventure en trouvant d'autres puces qui vont me permettre d'avoir de nouvelles fonctions avancées. À propos d'avancer, hein, si on le faisait. Ouais, je crois qu'il lui il va pas bien. Ou alors il dort très profondément sans respirer. Monsieur? Monsieur? T'as rien sur toi? Bon, ton pix. C'est vraiment dommage. Shodan Security is closing down on us. The elevators are frozen. Myra keeps saying that it's the cameras and the medical CPU core that Shodan's using these to hold onto the level. That's all fine, but I don't really see how it helps. The thing is everywhere. Je pense qu'il y a un code à trouver. Ah, ils font très vintage, hein, Sorbo. Bon, lui, c'est check. Un petit code. Est-ce qu'il y aurait ça quelque part? Regardez, regardez.
Parce que les gens qui tournent la caméra sans arrêt à chercher de partout, alors que regardez-moi, ça, un 4, un 5, un 1, ça, un digicode, un 4, pardon, un 4, un 5, un 1. Et là, j'ai le jeu qui vient de planter. Donc, je confirme totalement que c'est une démo. Oh putain, pourquoi moi? Hop, on active le power station, on récupère quoi? Le code, et on espère que ça va pas planter cette fois. Et je spoil, oui, 451. Non, c'est pas ça, ce qu'il y a derrière la porte. Comment ça, vous avez pas envie de le savoir? Merde. C'est bien dommage. Je plante pas. Luke, un ami? Regardez-moi ces grands yeux. Alors heureusement qu'il faut pas y taper dessus sans s'étendre. Ils sont pas super effrayants, quoi. On dirait des gros poupons visqueux un peu. Je suis déçu. Welcome back to Citadel Station. We hope your somnolent Trop. healing stage went well. Today is the sixth day of November, year 2072. You are currently in the healing suites located on the first level. Alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'à l'époque, the research laboratories. 3 houses the department of maintenance and the storage cells are on level 4. The flight deck is on level 5. Level 6. Donc ça c'est Shodan, l'intelligence de la station qui va pas mal vous emmerder pendant l'aventure. Systems engineering. Level 8 houses the department of security. The bridge is located on level 9 and energy systems on level R. All levels can be accessed by the elevator in Alpha Quadrant. We hope you have a pleasant stay on Citadel Station. Et donc je disais sur Shodan à l'époque, faut savoir que. Salut! Faut savoir que les fichiers audio n'étaient pas cryptés. Et du coup, on pouvait récupérer tous les sons du jeu. Et je m'étais fait plaisir à me faire un petit remix audio avec la voix de Shodan, justement, tout le long. Ok, ça c'est pour refermer. L'autre, il a l'air fasciné par son écran là-bas. Faut que je surveille ma santé quand même, ce serait moche de me faire. Ce serait moche de me faire latter. Mais le jeu est très marrant, quoi. C'était ça que tu regardais, Coco? Non, rien à router. Alors, c'est très très étrange de rejouer à System Shock aujourd'hui. Parce que le jeu porte un coup de vieux, hein. On va y aller clairement. On va résoudre cette petite énigme là-bas. Parce que le jeu, on est parsemé. Et j'avais dit au début du stream que j'aimerais bien vous faire voir le cyberespace. Et donc tout le long, il y a des petits systèmes comme ça qu'il va falloir bidouiller pour pouvoir, activer différentes choses. C'est pas bon. Ok, tant pis pour moi. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai la compréhension un peu lente, hein, on va dire. C'est une façon polie de dire que je suis dans le nouilla. Hop. L'intelligence voudrait que je j'aille. Le but c'est de revenir là, hein, tout bêtement. Donc on va se préparer le terrain. Logiquement, ça devrait pas être trop dégueu ça. Je vais à droite. Je reviens. De ce côté. De ce côté. Et de ce côté. Elle est pas belle la vie. Qu'est-ce que j'ai réactivé? Vous le découvrirez en jouant. C'est la System Shock. J'ai réactivé cet élévateur apparemment. Qui va me permettre de me plonger tout seul dans un piège crapuleux, non? Non. Même pas un bonus. Rien. Quel dash. Si j'utilise mon soda vu que j'en ai plein.
Ah, c'est quoi? Oh, je l'avais pas vu venir, les. J'étais en train de boire mon soda à peinard, tranquille, pépouze. Il m'a pourri ma barre. Elle est pleine de sang maintenant, c'est dégueulasse. Salaud. Je suis obligé d'en revoir. Ça c'est vide. C'est triste. Mais je jette pas mes canettes n'importe où quand même. C'est écolo, ça va. T'avais pas de bonus, toi? Rien que dalle, pot de balle. Ok, on y va. Du coup, je sais plus du tout ce que j'étais en train d'essayer de vous dire. Je sais plus du tout où je suis non plus, là. Mais heureusement, j'ai ma map à gauche. Ceci dit, c'est pas une simple map qui va faire que je vais m'en sortir avec évidence. On essaye, hein. Ah ah ah, les descentes d'échelle. Il faut inverser la direction. C'est assez drôle. Alors il faut fouiller un petit peu partout, puisque oui, on a besoin de clés, on a besoin de bonus, d'éléments, de puces aussi, pour s'améliorer. Et j'aimerais bien trouver un cyberespace pour vous faire voir la tête que ça, parce que c'est particulier. Ils ont fait vraiment du hacking dans le jeu. Il va vraiment pas bien, lui. Éventuellement, il faudrait que je retrouve mon truc pour me remettre la santé du début. Mais c'est un petit peu loin maintenant, je crois. On va voir ça. Je vais essayer de pas crever. Ça va bien. Alors, fallait vous remettre dans le bain de la version de 1994 avec son moteur maison basé sur celui de Ultima Underworld. C'était impressionnant. Parce que le décor était vraiment fouillé. Bien qu'il y ait du gros pixel apparent, quoi. Il est pas content, lui. Il va me crever, je sens. Ah, le con. Descends si t'es un mutant. Viens. Ah, je suis mort. Fallait bien que ça arrive. Hein. On va se la retenter. Et on va faire ça bien cette fois. There's no time to rest when your foe doesn't sleep. System Shock by Origin successfully weaves adventure and action to create a novel science fiction challenge. Marvel at the first-person 3D smooth-scrolling viewpoint as you jump, lean around corners, look up and down, crawl, and even fly in rocket boots. Experience the most sophisticated physics system in a computer game, complete with variable gravity, recoil, and explosions. Listen to the new dynamically layered music system while viewing realistic illumination effects. On reprend donc là où je m'étais fait éclater. Ça fait quand même très très drôle à l'heure où je joue à System Shock, parce que le jeu porte son coup de vieux quand même, et bien qu'il ait tout été refait, ses mécaniques sont, j'allais dire, rudimentaires. C'est méchant, à l'époque pas du tout, hein. Mais aujourd'hui, les gameplays sont vachement développés, et du coup, que lui reprenne son architecture sans trop avoir cherché à pousser le truc, c'est quelque chose de très très étrange, faut avouer. Je vais juste me requinquer un peu si j'ai trouvé des bouteilles. Non, j'en ai pas. Zut. Bon, c'est pas grave. Bubu. Bubu. Ok, Bubu. Si tu le dis. Rebubu. Ça fait beaucoup de Bubu pour un seul homme. Est-ce que j'ai un invité, un copain, n'importe quoi? Oh, regardez-moi cette machine. Attention, expression classique, dispendieuse. Est-ce qu'il y a du monde qui m'attend? Personne. Je ramasse hein, tout ce que je trouve. Surtout ça. Alors, les armes, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'elles ont leur efficacité selon leurs munitions sur les différentes choses du jeu. Et les robots, bah, je vais avoir de l'effet sur eux avec ça, mais il se peut que sur d'autres créatures, il n'y ait pas du tout d'effet, quoi. Qu'est-ce que quoi? Le cyberespace? Non. Pourquoi je peux pas activer ce truc? Si je peux pas l'activer, je peux le casser. Forcément. Voilà, ça doit s'activer d'ailleurs. Pour me permettre d'accéder encore à un élévateur, je présume. Sachant que je n'ai pas activé mon élévateur de l'autre côté, il me semble. Oui, à cet endroit où je suis un peu mort. Alors, est-ce que je me suis égaré pour de vrai? Non.
ça va. Il est costaud, lui, hein. Et il me loot rien. C'est pas très gentil. Alors, je commence à être salement équipé. Je pourrais me servir de ça, vous me direz. C'est une très très bonne idée. Ceci dit, je suis pas persuadé que mes munitions leur fassent du mal. On va vérifier ça dans le prochain qu'on croisera. Oui, dans le prochain qu'on croisera, carrément. Est-ce que je vais retaper les circuits? Alors, j'ai une porte qui est... Faut que je me réoriente, hein, je suis un peu blond. C'est écrit. Stay away. C'est pour ça que je vais y aller, d'ailleurs. J'avais pas réactivé ces circuits là-bas. Bouge pas, toi. Tu vas voir. Hop là. Ça, tu peux pas y activer. Tant que t'as pas rerouté les circuits, bonhomme. Eh ben, on va le refaire, c'est pas grave. Donc, le même principe, hein, les petits jeux sont pas très très méchants. Non, je voulais pas tirer dessus, promis. Tadam! Est-ce qu'on sélectionne cet élévateur? Oui ou non? Oh, bah oui, pas du pour rien quand même. Puis on va bien avoir du mouton dans le coin pour voir s'ils aiment les cachous. Oui, je vérifie qu'il n'y en avait pas un là-haut qui devait descendre. Me régler mon compte et j'espère qu'il aime les pruneaux parce que... Oh putain, il aime pas les pruneaux. C'est bon à savoir, mais il faudrait que je me retape, les amis, parce que là je vais carrément pas bien. C'est la grande forme, non, on oublie, il n'y a rien, il n'y a pas de grande forme. C'est le grand désespoir là. Est-ce que je me rééquipe avec ça? Ouais. Non, ça fait pas de bruit, c'est rigolo. On va aller se retaper avant de faire une bêtise, si je peux remonter, ce qui n'est pas gagné. Allô? Je suis remonté. S'il vous plaît, il y a un inter. Ouais, il suffit juste que je retrouve ma salle, ok. Un petit tour là-dedans. Alors, j'aimerais bien trouver un terminal, hein, vraiment, pour vous faire voir la partie cyber qui est assez rigolote. Puisque ça change complètement, j'allais dire. Pas complètement, vraiment. Mais ça offre un autre gameplay en permettant aux joueurs ben, de renouveler un petit peu les choses qu'il fait au travers de son exploration, de son aventure. Coucou. Ça sent le piège. Ça marche pas, ça. Je suis pas très très fort en combat là, au tuyau en fonte, mais je me débrouille, j'apprends. Ça s'ouvre pas, c'est à sens unique. Ah non, il y a un code. Oui, il est le cocode à papa. Qu'est-ce que c'est que c'est? Désolé, ça m'a fait plaisir. Ah, que ça soulage. Oui, quand tu es colère, tu tapes sur tous les objets. Ouh là là, il est pas cuit, lui. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, les space chiottes! On y revient. Dans tous les jeux, il faut des chiottes fonctionnelles, quoi. Avec la bâton qui se lève. Et le robinet qui marche! Je vais pas revenir sur ma théorie parce qu'à chaque fois ça me fait des monstrueusement poilés. En plus je suis super bien caché, regardez, il m'a pas calculé l'autre là-bas. Ah, mais je crois qu'il me tire dessus là. Il va falloir que je l'attende là. Passagement, on va dire. Sale suédois. Tu es un suédois, je le sais. Tu ressembles vaguement à un Borg, hein, faut dire. Non? Et c'est pour ça que je me permets de l'appeler suédois. Ah! Il y en a encore un! Ça suffit! Ma santé, vous y tenez pas, vous, hein?
Alors, c'est vrai qu'à l'époque, le moteur rappelait furieusement celui d'Ultima Underworld, puisque c'est l'exacte photocopie pour les combats. Et c'est assez rigolo quand même, parce qu'on n'arrêtait pas de strafer, de tourner autour des personnages en attendant d'avoir des armes plus puissantes, et éventuellement des armes de G, ce qui arrangeait pas mal la sauce. Et c'est un autre coup de vieux que le jeu se traîne apparemment, c'est assez marrant. Il y a beaucoup trop de plantes ici, ça va pas du tout. Je vais faire la petite salle là-bas que je n'ai pas faite, ouvrir cette caisse des fois que. Bah que dalle. Que dalle. La nageoire du fameux dauphin. Alors je te laisse, t'es en train de bouffer. Hein. Oui, je bourrine en langage technique. Hein. Je crois qu'il y a encore du monde. J'ai bien morflé. Eux aussi ont bien morflé quand même, faut dire. Il me faudrait une console, sérieusement les gars. J'ai des viewers qui n'attendent qu'une chose, c'est voir le cyberespace de 2014, ce qui était quand même quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être bien. Hop, hop, oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu... Il y avait tout ça dans toi? C'est... Oui, des fois ça se passe de commentaires un petit peu. Alors tout le jeu c'était ça à l'époque, hein. T'avances et dès que t'as un angle, vite tu te retournes pour voir ce qui va te sauter à la gueule. Ça a pas trop changé. Personne a de cadeau pour moi, c'est nul. Madame, cadeau? Non. Cadeau? Ouais. Une carte d'accès, ça sert toujours. Pas de cadeau, ouais, tant pis pour moi. Hein. Double, tant pis pour moi. Je passe là ou là? Allez, là. Alors, j'aimerais bien trouver un flingue qui fait des dégâts sur les mutants. Parce qu'apparemment, mon piou-piou, il marche bien contre les robots. Mais alors, pour le reste, peau de balle. Et oui, dans l'affolement, je crois que je me suis fait... Ah. Vous voulez voir la suite? Il va falloir la découvrir par vous-même. Alors, je sais pas si c'est une démo qui est temporairement accessible à tout le monde, ou s'ils vont la laisser jusqu'à la release du jeu. Quoi qu'il en soit, à l'époque, System Shock était vraiment un très très bon jeu. Je regrette de ne pas vous avoir fait voir les phases cyberespace. Aujourd'hui, il va rester pareil, c'est un remake. Donc vous attendez pas à ce qu'il arrive à la cheville des dernières grosses productions qui sont sorties dans le genre. C'est pas Dead Space, par exemple. Et pourtant, on pourrait dire sans honte que ce jeu, quelque part, c'est le père de Dead Space et de pas mal d'autres licences qui ont suivi des années et des années plus tard. Donc je vous invite à vous rendre chez GOG, ça changera un petit peu, il n'y a pas que Steam dans la vie, et puis d'essayer la démo. Et vous verrez que c'est quand même très très marrant et que le jeu est assez long à parcourir. Sur ce, je me mets devant un hublot. Non, il n'y a même pas une petite vue. Si, on va se trouver une petite vue sur l'espace et on va s'abandonner là-dessus. Bubu. Non, on ne s'abandonnera pas là-dessus. On va s'abandonner devant ce magnifique tuyau qui sera votre compagnon sur toute la partie du début. Playlist. Playlist. Tuyau. Et bouton d'abonnement quand même. Ciao.